Please be seated. Veuillez vous asseoir. The trial chamber is back in session for today. L'audience est reprise. This morning, based on the schedule, we will continue to. Ce matin, conformément au calendrier prévu. We're proceeding from yesterday. The questioning will nous be put to the two expert witnesses and the International Defense Council. We'll put questions to the experts. But before giving the floor to the defense counsels, the greffier, please report the attendances of the parties to the proceedings today. Le greffier, Mr. President, the parties to this trial today are all present except the civil parties, lawyer group 2 and group 3, group 3 and 4. So the two experts are present, Kasun Bonat and Cerroni are present. The witness D1, D2, D3, D4 and D6 are all present and are waiting for the invitation from the trial chamber. These witnesses has no affiliation or relative in blood with the other parties or the charge, the accused person. They were all sworn in. Et ont déjà tous prêté serment. The president, please allow us. Le président Maître Werner, je vous en prie. Bonjour, monsieur. Mr. Werner, hello, good morning. Monsieur le président, Mr. President, madame, good morning, juges. Your honors. Juste deux choses rapidement. La première, c'est qu'il y a un problème. Alors, peut-être c'est un problème d'interprétation. Ce ne sont pas les avocats des groupes 2 et 3 qui ne sont pas présents, mais les avocats des groupes 2 et 4. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai une requête très rapide, monsieur le président. Comme vous le savez, je l'ai annoncé hier matin, Thank you.
The President's Council, Alain Werner, please stand up. Maître Werner, veuillez vous lever, s'il vous plaît. You said that there's a letter from the civil parties, and you also said about that yesterday, and you said that you filed with the greffier. My question is that whose letter it was? Was it belong to the civil party? Did the lawyer who request to submit the file, or the civil party themselves who request to submit? Based on the form of the letter, it failed to meet the formality required by the trial chamber. Please indicate the purpose of putting that letter before the trial chamber. Merci pour votre question, Monsieur le Président. Mr. Werner, thank you for your question, Mr. President. Sur la façon exacte de ce dont se sont passées les choses, vos greffiers seront plus à même de vous informer que je ne le suis. Ma compréhension, c'est que les parties civiles directement ont fait parvenir elles-mêmes cette lettre à votre chambre. Cette lettre n'est pas une lettre d'avocat. Elle est signée par 28 parties civiles. Comme je vous l'ai indiqué hier matin, nous ne sommes pas signataires de cette lettre. Ce n'est pas un acte judiciaire. Raison pour laquelle nous ne sommes pas partie prenante à cette démarche maintenant, parce que cette lettre n'a pas été acceptée selon les formes et que vos greffiers nous ont informé de ce fait et que le but de cette lettre était que vous puissiez entendre ce qui est dans cette lettre. Nous vous proposons, et c'est la façon, à mon avis, la plus économe, qui prendra le moins de temps. Il n'y aura pas besoin de traduction, il n'y aura pas besoin que de nouveau nous fassions une demande écrite. Simplement de prendre une minute de votre temps et de vous lire cette lettre, comme ça vous aurez entendu ce que les parties civiles veulent vous dire, et ce sera dans les transcriptions. Si vous n'acceptez pas cette demande, alors les avocats des parties civiles en question feront une demande écrite qui devra être traduite en trois langues et qui devra être versé au dossier. Si c'est ce que vous préférez, nous ferons comme vous l'entendez. Simplement, je me permettais de vous offrir, de proposer une autre solution qui me semble être la meilleure solution. Comme ça, dans cinq minutes, cette lettre a été lue. Vous avez entendu ce que les parties civiles signataires voulaient vous dire. Et nous n'aurons pas besoin de déposer une motion écrite qui devrait être traduite dans trois langues. Je vous remercie. The President, based on your statement, the trial chamber unanimously agreed that you file the letter into the case file. However, your request to read to the court now is denied. Mais nous ne souhaitons pas que vous fassiez lecture maintenant de cette lettre à l'audience. Next, the trial chamber give the floor to the International Defense Council to put questions pour qu'il to pose the two psychological experts. And International Defense Council, you have 40 minutes to put questions to the experts. The floor is yours. Je vous en prie.
Bonjour, Monsieur le Président. Good morning, Mr. President. Bonjour, Madame et Messieurs les juges. Good morning, Your Honours. Bonjour, Madame et Messieurs, Monsieur l'Expert. Good morning, experts. Monsieur le Président, je vais essayer de poser mes questions en 40 minutes et si je n'y arrive pas, je vous demanderai un petit délai supplémentaire. Madame et Monsieur l'Expert, tout d'abord, je voulais vous demander si nous pouvions apporter ensemble deux petites rectifications de forme à la demande de l'accusé. Vous auriez été surpris qu'il ne soit pas méticuleux jusqu'au bout. As you know, he is meticulous. Et donc, l'accusé souhaitait, avec votre accord, que l'on rectifie dans la version française à la page 23, quand vous avez indiqué qu'il a quatre enfants, une fille née le 27 avril 1977, un garçon né le 14 décembre 1978, une fille née le 30 juin 1981. En réalité, c'est un fils. Et je crois que vous en avez parlé ensemble, donc pour les besoins de la transcription, je voulais apporter avec votre accord cette correction. Autre correction, à la page 27 de votre rapport, et cela fait suite à une question du juge Lavergne hier. À la page 27 en français, in the French version, vous indiquez you state, par contre, Duc however, ne se souvient Duc plus does not, no longer du nombre de victimes à S21 au début de la procédure d'instruction, alors qu'il avait les registres whereas, et les photos à sa disposition à l'époque. The archive, to the registers il avance and to le chiffre de 200 and victimes. He, il doit y avoir une confusion parce qu'effectivement, vérification faite dans les procès-verbaux d'audition, ce chiffre n'est pas avancé. Vous avez raison de dire qu'il n'avance pas de chiffre, right il ne parle pas de 200 figure, victimes. Voilà. Not, however, juste, the of 200 victimes. Il nous faut encore les transcripts so, again, et par ce souci que vous connaissez mieux que personne of, de sa méticulosité, because, vous faire part de cette observation. I wanted to share vous this ne trouverez pas, sauf erreur de notre part, dans les procès-verbaux d'instruction ce chiffre de 200 any reference to this figure of 200 victims in the written records. J'en viens donc à mes questions. Et je vous dirai d'abord, Madame et Monsieur l'Expert, mais Mr. les remerciements de la défense pour les explications que vous avez fournies à cette barre, qui ne sont, comme vous l'avez rappelé, en aucun cas des justifications, mais qui sont une tentative de comprendre comment Duc est devenu Duc. Je dirais en préliminaire de ma première question et que j'ai été consterné de la manière dont le bureau des coprocureurs semble analyser la situation. Et apparemment, Duc n'est pas aujourd'hui le seul dans le déni. Monsieur le coprocureur, vous m'interromprez si je dis un seul mot qui n'est pas dans le dossier, dans ma question, qui est la question suivante. Duc a dit qu'il avait été lâche.
Duke a dit said qu'il n'avait pas osé regarder, look at the reality, qu'il n'avait pas osé voir ses amis see his friends en détention. Being detained. Duke a dit said qu'il avait certes obéi aux ordres, was obeying orders, mais qu'il était responsable de tout ce qui s'était passé à S21. Duke a accepté de participer à la reconstitution in the reenactment à Chungkek et à S21. Duke a coopéré avec les juges d'instruction comme ceci l'affirme au paragraphe 167 de l'ordonnance de renvoi. Duke a reconnu 85%, nous avons fait le calcul, 85% des faits proposés par le procureur. Et je vous explique, nous avons reçu au mois de janvier 168, je crois, paragraphes des procureurs demandant à ce que Duke reconnaisse ces paragraphes. Il a reconnu 85% de ces paragraphes. Duke a demandé pardon aux victimes, asked the victims for forgiveness, en leur disant « Je ne vous demande pas de me pardonner, mais je vous demande pardon. » Alors, madame et monsieur l'expert, face à ces évidences qui résultent du dossier, qui résultent du débat, qui résulte aussi de ce que vous avez vu vous-même, à savoir que vous-même avez dit qu'il a coopéré avec vous. Ma question, ma première question, est-ce une démarche facile pour qui que ce soit, et particulièrement, je dirais, pour un Cambodgien, de se mettre ainsi à nu to completely open up en public, to basically stand naked in public, de reconnaître to acknowledge en public publicly ses responsabilités devant des crimes aussi graves. For crimes that are ma première as question, serious. S'il vous plaît, est-ce facile pour un homme, quel qu'il soit, et pour Duke en particulier, de faire une telle démarche to carry out such a process? Certes non, Maître Roux, ce n'est pas facile pour quiconque et ce n'est pas facile pour Duke de faire cette démarche. Et si vous me permettez, je peux rajouter un commentaire sur l'évolution psychologique que nous avons aussi constaté au cours de ces différents entretiens. Nous l'avons vu. We saw him and we analyzed. We have been analyzing him for the past year, and we saw him again recently. And this is a process. Reconnaissance. Vous parlez de facilité. Acknowledgement indeed is a process. Est-ce que c'est facile? Mais je parle également du processus parce que l'accusé passe par différentes phases. Pour un certain nombre de faits sur lesquels nous avons discuté avec lui. Il peut y avoir dans un premier temps volonté de non-reconnaissance. Je parle bien du mécanisme psychologique. Ensuite, il y a une dénégation, c'est-à-dire une acceptation, toujours dans ce processus, dans un deuxième temps, une acceptation partielle de faits, c'est-à-dire certains sont acceptés, d'autres non, on est dans une partie de la, peut-être de la vérité ou de ce qu'il peut admettre, vous dire. Et dans un troisième temps, et c'est là où c'est intéressant de le dire,
dire à la Cour, il y a un basculement, vous nous remarquez, c'est rapide vers plutôt une autodépréciation et une auto-accusation. Nous n'avons pas vu Duch comme il arrive chez d'autres accusés, un processus de reconnaissance. We have not seen a more, let us say, neutral acknowledgement process. Surtout insister sur le fait qu'il bascule insist tout de suite right now on the fact that he switches right away to self-accusation. He says, "I'm a criminal. I feel guilty. And how may I go about this?" And here we might find here a psychological mechanism in doing that is linked to psychological elements, intrapsychical elements stemming from his childhood, which. Le manque d'assurance en soi par moment, le sentiment de dévaluation and the feeling of being devalued, and his feeling of inferiority that might reappear at that moment with an accentuation of his self-accusation in certain cases. That is to say, from denial to self-accusation. That is the process that we can observe. Merci beaucoup. Mr. Hu, thank you very much. You have indeed anticipated my following question, which was dealing here with a process, and this is what indeed you just stated to me. And I would like to add, in this process, there might be inhibitions, there might be things that are so hard to deal with that we are not able to express these. Do you believe that these kinds of hang-ups are part of the process as well? Oui, Dr. Sironi-Guilbault, yes, Mr. Hu, this may be part of the process indeed. As you say, either because there are things that are too difficult to accept, and that indeed the acceptance of such heavy elements always goes through a process for everyone. This process might take more or less time. This depends on each one's personal history. This also depends on what might lead someone to become aware and to accept. We said yesterday that the trial is an element that contributes not only for Duke but for other accused people. The trial contributes to this acceptance, and we are indeed dealing with a process, and I would add that there's another element which we must take into account. It is the inherence of the Khmer Rouge shaping process, which we spoke about yesterday, and which is still present in him. So we can say that from an intrapsychical point of view, if we imagine Duch's mental life as a battlefield where different battalions or platoons are being deployed on the field, Where things are moving, we can say that there is also this element is also present, this square rouge shaping is also present, and it is also mobile. Vous n'avez pas Mr. Hu, ni l'un ni l'autre souhaité répondre directement, neither of you wish to answer directly, et je comprends et le respecte. Aux questions qui vous ont été posées quant à la sincérité de ses remords. Mais est-ce que je peux vous poser la question suivante? Est-ce que, selon vous, il est sincère dans le processus dans lequel il est engagé, dans ce processus de reconnaissance de responsabilité? Est-ce que vous sentez de la sincérité? Est-ce que là, vous pouvez vous prononcer? Si vous permettez, je vais répondre d'abord et on verra. Je prends la parole à mon collègue. Oui, Maître Hu, nous avons
pris en, enfin, en tout cas pour ma part, et je sais que nous en avons discuté aussi, il y a de la sincérité, pour reprendre votre terme, dans ce processus. J'ajouterais également que, pour complexifier la question, ce n'est pas pour mettre en doute votre, le terme que vous utilisez de sincérité, c'est pour le complexifier. Chacun de nous, nous sommes tous dans des stratégies d'existence. L'accusé a aussi une stratégie d'existence, et ce n'est pas pour le rendre pervers, ce n'est pas ça que je veux dire, mais il est aussi là-dedans. Et il est, cette part-là, elle est consciente. Il peut y avoir, il y a ce mécanisme, mais il y a aussi cet élément-là de prise en compte de ce qui est en train, pardon, de ce qui est en train de se passer pour lui, pour l'histoire de son pays, en ce moment-là de l'histoire. Vous voulez rajouter sur la sincérité du processus? Would you like to add something on the sincerity of the process, says Professor Cyrilie Guilbeault to her colleague, Mr. Sulmona? Si vous êtes d'accord, oui. C'est bon? Dr. Gasolinat, I agree with what has been said by Ms. Cyrilie Guilbeault. As I stated yesterday, we have not done our research on the topic of sincerity because this is not the topic that we focused on. However, we raised the issue that Doug, during our interviews, we did not ask him directly on the details of the issues, but he made us aware of his intention to apologize. In such situation, it can be shown that whether he is sincere in expressing his apology or whether he was pressured to do so. This is just the situation of our encounter with Dutch and of his intention to apologize so that we can focus on the issue together as whether he is sincere in his expression of apology or whether there is any pressure applied to him or whether there is any other plan or intention. And we have not conducted our psychological assessment on the topic of the sincerity. This is my response. Thank you. Permettez que je rajoute un point. Oui, je voudrais revenir juste sur la question de la sincérité. Comme dit mon collègue, nous n'avions pas pour mission de devenir des détecteurs de mensonges. Ce n'est pas le but d'une expertise. Mais comme nous étions mandatés en tant qu'experts, il était toujours de notre rôle et de notre devoir de voir quelles étaient effectivement, malgré tout, de toujours avoir en tête que nous ne sommes pas dans des entretiens de psychothérapie, de soins, que nous étions dans un cadre juridique et qu'il s'agissait aussi de confronter les différents éléments et malgré tout de savoir si on n'était pas dans une manipulation des experts ou pas. Et là, nous pouvons répondre que non, à aucun moment nous n'avons eu l'impression, enfin même aussi l'étayer, qu'il y a eu manipulation. Nous l'avons développé dans le rapport, ce n'était pas question de cela. Donc, par rapport à cela, on peut parler de sincérité et de sincérité dans le processus. Alors, votre réponse à tous les deux amène une autre question à propos de ce processus. Faut-il l'encourager ou faut-il le blâmer
de ne pas encore en dire assez. We blame him for not having said enough? Maître, a priori, je dirais ni l'un ni l'autre. En tant qu'expert, on ne peut pas blâmer un homme, quel qu'il soit, sinon nous serions dans une idée qu'il existe des monstres, qu'il existe de naissance des diables, des personnes qui sont malveillantes. Ce n'est pas du tout notre conception du fonctionnement psychologique d'un individu. Ce dont il est blâmé, peut-être, enfin, du point de vue d'une victime d'un pays, je peux comprendre beaucoup de choses, bien évidemment. Là, nous parlons du point de vue des experts. Nous ne pouvons ni blâmer, ni encourager au sens de l'amener à présenter des excuses. Nous avons dit que c'est un processus. C'est un processus psychique et chaque individu, chaque sujet est singulier. C'est-à-dire que compte tenu de tous les éléments de sa vie, les éléments de sa petite enfance, de tout ce qu'il a connu dans sa vie, il est d'une certaine manière unique. Et chaque sujet a le temps. On ne peut ni l'accélérer, ni le ralentir, mais on peut faire en sorte d'accompagner le sujet, donner l'accusé dans ce processus. On ne peut ni l'accélérer, ni Nous sommes en train de prendre la tâche de nous faire un groupe. I am one of the victims of the regime, but I disregard the idea one side when I perform my role. I perform my role as an expert under the instructions of the trial chamber. And what we have said, and in our report, it has been done within the framework with our neutral position, and we do not have our personal feeling interfere with our work. And we are the professionals, and we have taken an oath in order to perform our role as a neutral expert. Thank you. Je tiens à porter à la connaissance de Maître Roux et de la Cour que préalablement au début, au commencement des différents entretiens d'expertise, nous nous sommes rencontrés avec le professeur Kassoun Bonnat à plusieurs reprises. Nous avons également rencontré l'interprète qui a travaillé avec nous l'année dernière lors des 13 entretiens, M. Uch Chanora, assermenté par la Cour. Et nous avons discuté chacun, enfin en privé, entre nous, de ce qui nous a amené de cette part. On pourrait dire contre-transférentielle de la part de notre propre histoire, qu'est-ce qui nous a amené à être là ensemble, même si nous ne l'avons pas décidé. C'était très important parce qu'il s'agissait pour chacun d'entre nous d'arriver à cet exercice de neutralité, à cette posture de neutralité dont parlait mon collègue. Donc au préalable, nous avons fait cet exercice, cette discussion entre nous, et je crois que s'il y avait eu un problème à ce moment-là, dans la mesure où j'avais été mandaté comme expert principal de cette expertise, je crois que j'aurais fait en sorte qu'elle ne débute pas et qu'elle n'ait pas lieu pour éviter toute influence de notre propre psychologie ou de notre propre histoire. Respective, l'histoire collective, je veux dire, qui aurait pu interférer. Et là, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. There was no problem with regard to this issue. Vous avez parlé en ce qui concerne l'accusé, de la difficulté qu'il a et qu'il a encore à exprimer
des sentiments. Pour autant, au moins à deux reprises dans ce processus judiciaire, on a vu l'accusé envahi par des crises intenses de larmes, plus exactement à trois reprises. Première fois à Chungkaek pendant la reconstitution, il s'effondre littéralement devant la fosse où on a retrouvé des cadavres d'enfants. Deuxième fois, à la reconstitution toujours, à S21, il s'effondre sur l'épaule d'un de ses gardiens alors qu'il essaye de lire sa déclaration aux victimes et qu'une des victimes se met à pleurer. Et on a diffusé l'autre jour ce passage. Et troisième fois, à cette audience, alors qu'il parle d'une des victimes de S21, le professeur Puntong, alors que la veuve et la fille de cette victime sont présentes et sont bouleversées à l'évocation de ce nom, il fond en larmes. Et je demande seulement à vous, en tant qu'expert, comment vous analysez cela de la part de quelqu'un qui, effectivement, normalement, bloque ses émotions et qui, pour autant, par moment, laisse échapper vigoureusement ses émotions sans les contenir. Est-ce que ça participe du processus dans lequel il est? J'ai besoin de votre réponse. Oui, maître, cela participe du processus. Nous avons fait référence hier au mécanisme du clivage, à savoir un mécanisme psychologique qui consiste à séparer les émotions de la pensée rationnelle ou de séparer différentes parties de soi, qui jusque-là était maintenue étanche, mais on ne reste pas clivé à vie. Et notamment, je suis aussi psychothérapeute par ailleurs, c'est un de nos travaux aussi ailleurs en psychothérapie de lever, et je peux dire que c'est possible. Il n'y a pas que la psychothérapie qui amène à la levée du clivage. Il y a aussi tout le processus judiciaire, notamment. Là, nous constatons qu'effectivement, il y a des émotions d'un côté, les pleurs, cela peut révéler aussi le fait que le clivage n'est plus aussi étanche, on n'est plus dans le même fonctionnement psychologique. On peut aussi se demander si on analyse encore davantage, il y a certaines situations qui peuvent susciter de l'émotion chez l'accusé et d'autres non. Probablement, lorsque il est face aussi à des personnes qui le respectent, puisque nous avons dit que la levée du clivage est aussi un processus. Probablement, ce qui le touche le plus est objet d'intense émotion et d'affection. Il s'agissait d'un professeur, et donc là, effectivement, peut-être, là, ce sont des hypothèses que nous n'avons pas pu vérifier, mais les pleurs ont eu lieu à des moments particuliers. De même, je crois, lorsqu'il y avait M. Boumeng, je pense qu'il était présent ici, il l'a connu en meilleure forme. C'est aussi quelqu'un qui a son âge. On peut aussi estimer qu'il y a une possibilité de projection entre son état physique et celui de Boumeng. Donc, je veux dire que si j'illustre cela par ces exemples, c'est pour dire que le clivage aussi répond à un processus. On n'est pas dans un tout ou rien d'expression de ces émotions.
Dr. Kang Somnath, I want to add that in the Khmer way of practice and tradition, it is our customary way of expressing ourselves by focusing on the behavior, not on the psychological mechanism. Each one of us can hold back the feeling and not to burst it out. However, the light from the eyes cannot hide the inner feeling. When Dodge shed his tears upon hearing the name Peng Thon, he also describes his remorse and regret of his former teacher. And the word teacher for him is the one person that he respects, that he has affection for. C'est une personne qu'il respectait et therefore, the name Peng Thon et donc pour lui, le nom Peng Thon aroused his feeling beyond what he could control. Des sentiments qu'il ne pouvait contrôler. And this is why in our Cambodian customary et practice, voilà pourquoi people are asked dans les pratiques traditionnelles cambodgiennes, the feeling on demande aux gens by observing the behavior, the eyes and the tears. Et on observe leur comportement and if the question et leurs asked yeux et les larmes, s'il y a lieu, is overwhelming et si c'est une and question that it qu'il est put pressure on the person who is being the subject of the process, qui fait l'objet we de can la see procédure, the evidence alors, coming through from such process. And this is the way that the Cambodian customary practice has done so far. Thank et c'est you. Ainsi que nous avons pratiqué cela dans la coutume cambodgienne. Merci pour cet éclairage culturel qui est très important pour les non-Khmer. Alors, en même temps, on a bien vu dans toutes ces audiences et on a entendu le cri des victimes qui ont, elles, le sentiment que Duc ne va pas assez loin. Vous avez, dans votre rapport, tous les deux, rappelé que vous avez utilisé vous-même, je ne sais plus à quelle page, le terme d'un régime qui était devenu paranoïaque. Je ne sais comment on pourrait exprimer ici publiquement que les victimes n'auront pas toutes les réponses sur ce qui s'est passé pendant le régime parce que Duc ne les a pas. Est-ce que vous pouvez nous dire juste deux mots, Madame et Monsieur l'expert, sur ce que vous appelez une dérive paranoïaque du régime dans votre rapport? Est-ce qu'aujourd'hui, qui que ce soit peut donner un sens à ce qui s'est passé? Est-ce que ce qui s'est passé avait du sens? Did it have any meaning at all? Ou est-ce qu'on bute sur le mot paranoïa? Running up against the word paranoia. Et qu'il n'y a donc plus de sens. And there is therefore no meaning. C'est une très question très importante, maître. D'abord, nous ne sommes pas historiens. Now, first of all, je tiens à le dire. Nous n'allons pas parler du régime, mais dans ce que
nous apprend l'approche géopolitique clinique, c'est-à-dire la prise en compte de l'histoire individuelle et de l'histoire collective. Nous sommes aperçus que dans les pays à dérive paranoïaques, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui sont devenus paranoïaques. Si nous établissons un diagnostic selon les critères nosographiques, nous sommes dans une vraie description de la paranoïa, c'est-à-dire un délire logique où il y a une amplification de la figure de l'ennemi, le besoin de protection, et la paranoïa galope, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas, rien n'apaise le paranoïaque. Nous avons évoqué hier un diagnostic psychopolitique au sujet de l'accusé, mais aussi au sujet, on pourrait dire, de l'ensemble d'un pays, à savoir que petit à petit, l'ensemble du pays, tous les rouages fonctionnent de la même manière que un individu, le changement psychologique que demande l'adaptation de la psychologie d'un individu au changement de régime. À un moment donné, les deux fonctionnent de la même manière, sauf que tous les individus du peuple, on va dire, ne deviennent pas paranoïaques, mais ils doivent s'adapter, développer des mécanismes psychologiques d'adaptation pour s'adapter et survivre à ce régime, à savoir la dissimulation, ça peut être le clivage aussi, ça peut être l'excès de zèle, l'hyperadaptation pour la survie, pour lutter contre la terreur. Enfin, en résumé, il y a véritablement une psychologie de l'homme qui vit dans un pays soumis à un régime totalitaire qui n'est pas la même que la psychologie d'un homme qui vit dans un État démocratique. Would you like to add something, Professor? Kasumonat, I would like to add to what you have raised. The idea of mistrust or paranoia. À propos du manque de confiance et de la paranoïa. It is true that when I first stepped into the liberated zone, je suis arrivé pour la première fois dans la zone libérée, which was under the control of the Khmer Rouge leaders, qui était sous le contrôle des chefs, I had the feeling that the Khmer Rouge people or the communist people and our evacuees were living in different worlds. Vivaient dans des mondes différents. We seemed to trust what we were told. Confiance où nous croyons by considering of what we were told. Et on prenait en compte ce que l'on nous disait. The president, I notice the co-prosecutor is on his feet. You may proceed. Your Honours, ordinarily, I don't like to interrupt proceedings and certainly testimonies of expert witnesses. But most respectfully, I would submit that Your Honours may advise the Cambodian expert not to make personal observations of his own experiences under the Khmer Rouge. He has just told you that he was a victim, yet he would divorce himself from his personal experiences and give an objective testimony. What we just heard was essentially his personal experiences. I don't mean to interrupt further, but just Your Honour's advice would be sufficient. Thank you very much.
the President. Thank you, Mr. Co-Prosecutor, for your observation. Pour votre observation, Monsieur le Co-Procureur. The Chamber would like to remind the experts that during your testimony, you should refrain from mentioning your personal experience, including the word victim or what you personally encountered during the regime. These issues shall not be raised during the time of your testimony. So the personal experience should not be shown before this chamber, and I believe as an expert you too will be able to understand what I said. Dr. Kasumbonat, thank you, Mr. President. Based on what we have studied and researched, sur la base de ce que nous avons étudié et des recherches que nous avons faites, during the Khmer Rouge, there was a saying des Khmer Rouge, il y avait un proverbe of high vigilance, and il y avait un proverbe qui disait qu'il fallait faire preuve we de had to be vigilant against pessimism. Et qu'il fallait être vigilant and contre we pessimisme. Have to be guarded against extreme idea of peace, and that et we should not trust anyone. And de la these paix, are the principles of the Khmer Rouge regime, voilà and it created a situation et cela a créé where people mistrusted each other on a constant basis. Au quotidien. That is, this is a trait of idea established d'une caractéristique to conform with the theory of communism by the Khmer Rouge. Se plier lorsque l'on suivait, lorsque l'on respectait le communisme. An environment of mistrust. Cela créait thank you. Un milieu où les gens ne se faisaient pas confiance. Je vous remercie. Merci. Il me reste deux questions. Mr. Hu, thank you. I have two remaining questions. D'abord, celle-ci, first of all, pour rebondir sur ce que vous disiez sur le contexte du régime. Quand Duc dit au juge d'instruction, j'ai été à la fois acteur et otage de ce régime. Est-ce que ça représente bien ce que vous venez de décrire de ce régime à son niveau personnel? J'ai été à la fois acteur et otage, dit-il, de ce régime, et il ajoute de ce régime criminel. Dr. Kasumbonat. In response to your question, that he said that he is one of the actors and the hostage of the regime. This is his personal views, but we need to try to understand. Unless we conduct a further investigation to find who he was in that regime. But the purpose of our psychological assessment, we did not focus on those facts of he was being the actor and the hostage of regime. So I cannot respond to your question at the moment. Je rajouterai pour ma part que peut-être plus auteur, acteur. Well, an author as an actor, il me semble we could say. Que dans les différents entretiens d'évaluation d'expertise que nous avons eus avec l'accusé, il a été
mentionné ces deux positions. Je ne pourrais pas vous assurer, maître, que le terme d'otage a été utilisé, mais nous avons exploré et analysé ensemble les mécanismes de rouage. Et effectivement, ces deux positions, sans vous dire de mémoire, je ne sais plus si le terme otage a été utilisé, mais en tout cas, il a reconnu qu'il était acteur, that he was an actor, et également qu'il était dans une position où il ne pouvait pas se dissocier et il ne pouvait pas sortir. Je crois que mon collègue Pierre a repris le terme de rouage, reprenait ce que... Mais je tiens à dire que l'accusé a reconnu ces deux, nous a expliqué aussi et nous avons compris de lui qu'il était dans ces deux positions, même si, comme le dit mon collègue, cette question ne nous a pas explicitement été posée. Merci. Et donc, ma dernière question. Vous avez dit « On ne naît pas no one bourreau, is born an executioner. On le devient. One becomes an executioner. Alors ma question, so my question therefore is, et est-ce qu'on peut can redevenir we re-become humain? Human? Vous avez dit en you effet, le bourreau se déshumanise lui-même dehumanizes himself avant de déshumaniser la victime. Dehumanizing the victim. Est-ce que dans le processus dans lequel Duke est engagé, il peut se réhumaniser? Est-ce que c'est cela que vous nous dites quand vous dites qu'il est réadaptable et réinsérable? Maître, oui, je ne peux vous répondre à votre question. Si vraiment nous faisons tout le tour de l'ensemble des éléments que nous avons analysés concernant sa personnalité, concernant la fabrication de l'histoire collective, l'influence de l'histoire collective sur l'accusé, en analysant également la psychologie de l'accusé depuis le début de la procédure, du procès, nous pouvons répondre à votre question. On ne naît pas bourreau, on devient. Born an executioner, et on one peut becomes aussi an executioner, être and we can also be rehumanized. Par de différentes manières. Il participe, il peut y avoir d'autres éléments, les facteurs religieux après chacun. Factors, il y a différentes voies. Je ne veux pas davantage décrire. Je tiens juste très courtement à préciser, vous m'avez posé la question par rapport à l'accusé. Je tiens également à dire que nous sommes un certain nombre de par le monde à nous occuper de l'accompagnement psychologique ou de psychothérapie d'auteurs, de victimes, d'auteurs de violences collectives, quel que soit le niveau, des commanditaires, des exécutants, des planificateurs, un peu moins, mais dans l'ensemble de ces suivis psychologiques, il y a effectivement la possibilité, nous avons constaté qu'il y a des possibilités d'évolution. Pas chez tout le monde, mais là, pour revenir au cas du détenu, nous pouvons répondre de manière informative. Et Mr. Roux, puis-je oser vous livrer une question sous forme de réflexion? Vous avez dit le bourreau se déshumanise lui-même avant de déshumaniser la victime. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que si le bourreau se réhumanise quelque part, cela va contribuer à réhumaniser aussi les victimes?
Maître, je dirais que la réhumanisation d'un bourreau est un des mécanismes nécessaires et d'importance. Ce facteur a un poids très important dans le processus aussi de réhumanisation de la victime qui a été déshumanisée par les bourreaux. Mais c'est un processus pour la victime. Il y a énormément de souffrance dans la mesure où la déshumanisation, elle ne l'a pas voulu. Parfois, le bourreau non plus lorsqu'il est dans un façonnage. Also does not wish it to happen, but when he is undergoing shaping, but to return to the victim again, it's a process. Ma capacité de projection, parce que je ne peux pas répondre à leur place, stops because mais I cannot answer in their place, but I can simply tell you that pour avoir depuis 20 ans soigné des victimes de torture et de génocide, lorsque les victimes que j'ai essentiellement vu à Paris, parlons de personnes qui sont en état de migration qui vivent dans d'autres pays, lorsqu'il y a impunité dans leur pays d'origine, lorsqu'il n'y a pas de procès, lorsque les auteurs ne reconnaissent pas ou nient le soin des victimes, leur amélioration de leur état de souffrance est beaucoup plus difficile que lorsqu'il y a un processus collectif de reconnaissance de ce qui s'est passé, de l'histoire du passé. Monsieur le Président, j'en ai terminé avec mes questions et je souhaite remercier Monsieur et Madame l'expert. The President, next, the trial chamber give the opportunity to the accused to make observation on the testimony by the two experts yesterday and today. Please, the floor is yours. La parole est à l'accusé. Mr. President, Monsieur le Président, I would like to express my thanks for you to give me the floor to make observation, and I would like to express my thanks to the experts that they can understand well my psychological conditions. Today, I would like to say that I have the intention to the world that to know that I want to be as an ordinary person, and I hope that the two professors and the experts will help to understand about my psychological condition through the trial chamber. Thank you. La chambre à comprendre ma psychologie. Merci. The President, the two experts, le président. The trial chamber is grateful to both of you, Madame, who spend your time to make testimony and prepare a report explain us about the psychological condition of the accused, and you did make effort to respond various questions based on the psychological condition of the accused, and we note that the questions and responses were complicated and difficult to answer, but we acknowledge that both experts made
every effort to explain and to answer those difficult questions until its completion. So now we come to the end of your testimony as the experts to the trial chamber, and both of you can go wherever you intend to go from now. And the next program will be 1 hour and a half. So we would like to adjourn for 20 minutes until 10:30. We will come back in session to hear the character witnesses of the accused. Premier témoin de moralité de la greffier, all rise. La greffière, veuillez vous lever.